passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitouba. Sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, mi-po, ton gars forme la toute des malheurs. Ils débattent tous, passent autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitouba, mi-pop, ton gars forme la toute des valeurs. Anas, carreau, pétrole forme la toute des valeurs. Sans blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, mi-po. Je suis très fâchée contre toi. Moi? Oui, je suis très fâchée. J'ai encore fait quoi? Tu as promis de m'appeler hier, tu ne l'as pas fait. Ouf, ça, tu as raison. C'est que ma batterie était à plat. Et on a passé toute la soirée dans le noir. Il n'y a pas la lumière. Et pourquoi depuis le matin, tu ne m'as pas appelé alors? Je comptais t'appeler le soir. Tu vas où comme ça? Ah, je vais vraiment, j'ai rendez-vous à un ami là. Je t'accompagne, mon amour. Oh, attends. Regarde, on a des choses à se dire. Maman, Manfauvesse continue à arriver ici. Pas régulièrement. Il arrive quelquefois. Mais il vient encore faire quoi ici, maman? Il vient faire quoi, comment? Attends. Si je comprends bien, ce qui veut dire que donc, tu sors encore avec lui, maman. Mais tu voulais que je fasse comment? Moi, je l'aime. Tu comprends ce que tu dis, maman? Comment tu peux aimer un homme qui a mis le désordre entre nous? Laisse-le tomber. Tu cherches un autre homme. Donc, ce n'est pas facile de trouver un amour pour soi, hein. Surtout comme celui-là. Tu es sûr que tu vas vraiment chez un ami? Tu dois te mettre à douter de moi, c'est pas vrai. Tu sais, tu es la seule femme que j'aime. Même comme tu refuses de faire l'amour avec moi. Mais bébé, c'est pas un refus. C'est quoi? Faut t'abstenir juste un peu, c'est pas un refus. Quand on va se marier, on va faire l'amour. Tu vas même te fatiguer de faire l'amour là. Toi là, tu me connais, mais moi, fatigué de faire l'amour. Je suis sûre que tu vas te fatiguer. Ah, pardon. Mais... C'est pas les bruits bon, que tu fais tous les jours là. Je suis un peu pressé. Mon ami m'attend. Je vais pas arriver. On se voit là. Maman, est-ce que toi tu es obligée de sortir avec un homme? À ton âge, tu devrais normalement même te reposer. À mon âge que j'ai déjà fait quoi, Tonga? Mon corps vibre encore. Ouais, maman, attends. Comment est-ce que tu peux avoir le courage de sortir avec un homme qui a couché avec ta propre fille? Là, alors, Tonga, ne réveille plus ma colère. Toi, en te couchant avec lui, tu ne savais pas que c'était mon mari. Ce n'est pas ton père. Tu sais, moi, je regrette amèrement.
Mais, maman, ce que tu devais comprendre, c'est qu'il a profité de ma naïveté. Tu devais le comprendre et laisser tomber cette... Laissez-moi tranquille avec mon nom. Laissez-nous faire notre vie, moi, car demain ou après-demain, je vais mourir en laissant tout. Laissez-moi avec mon nom. Ça, c'est que ma chance, ça. Si j'ai donné les enfants, je ne peux plus faire ma vie. Alors, je te trouve très mignon, mon ami. Tu me jettes trop de fleurs. Non. Ce ne sont pas des fleurs. Tu les mérites. Merci donc. Je me sens très à l'aise quand je suis à tes côtés. Je souhaite que notre amour grandisse afin de solidifier notre relation. Je vais t'avouer, mon amour pour toi est très grand. Je peux dire, il est même gigantesque. Mais tu m'as dit qu'avant de me rencontrer, tu n'avais pas de copine. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai bien dit ceci, qu'avant de te rencontrer, j'ai passé 2 ans de solitude. Solitude? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a séparé de ta dernière copine? Oh. Elle est allée continuer ses études en Europe. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui inkebe? Ce que je vais te dire, quoi? C'est Mutumba. Il veut prendre une troisième femme maintenant. S'il veut prendre une troisième femme, le truc c'est qu'il ne veut même plus de moi, il ne veut même plus me voir, il ne veut plus me voir ici là. Il ne veut plus de toi. Comment et pourquoi? Oui, oui. La gentillesse de ta co-épouse l'autre jour. Voici le résultat. Ha! Elle tient le bon bout. Foyer polygamique. Donc ça veut dire qu'elle va revenir. Peut-être que oui. Mais on m'a dit qu'arrivée là-bas, elle a épousé un blanc. Ça alors? Cette fille m'a tellement déçue. Vraiment déçue. Bon, en tout cas, oublions-la. C'est le passé. Hein? Actuellement, mon bébé, ce qui compte pour moi, ce n'est que toi. Merci de t'aimer tant en moi. Merci. Toujours jolie, gentille, joviale, attirante. Tout ça, ce n'est que pour toi. Ouais. Merci. Alors, mon bébé, j'ai réservé une chambre pour nous derrière. On peut y aller, non? Attends. Je pense qu'il est très tôt pour que toi et moi nous allions dans la chambre. En plus, je ne peux pas faire l'amour avec toi avant le mariage. Je suis désolée. Maman, je suis dépassée. Je sais qu'elle veut te dire quoi. Mais tout m'a dit qu'il ne veut plus de moi dans sa maison, que je parte. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne sais pas. J'ai à pleurer, fatiguée ici.
C'est parce que Mitouma me veut. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tout s'est bien passé ici. Mitouma a recommencé à m'aimer. Maintenant, Mitouma ne veut plus me voir. Mitouma ne me touche même pas. Il ne me connaît même pas. Je ne te comprends pas. Il ne veut plus de toi comment? Je sais qu'il veut te dire quoi. Mais tout le monde dit qu'il me trouve comme une intruse dans sa maison. Il me demande de sortir. Merde. Que le noir type là ne pense pas qu'on va lui accepter n'importe quoi. Si nous sommes des personnes calmes dans notre famille, oui, mais pas des lâches. Je suis depuis que je me suis mariée. Je l'attends ici. Je crois qu'il a oublié vos débuts. Hein. Et m'a aussi oublié un peu. Je l'attends ici. Salut voisin. Donc tu étais là? Je ne suis pas content de toi. Je fais quoi non mon frère? Oui, on m'a dit que c'est toi qui as détourné ma femme. C'est moi qui ai dérouté ta femme comment? Oui, c'est toi qui lui apprenais à boire. C'est toi qui l'as présenté aux hommes. Mais d'où sors-tu avec ces informations? Parce que tu penses que je ne saurais jamais? Vraiment, tu m'accuses pour rien. Je n'y suis vraiment pour rien. Je t'accuse pour rien. On m'a toujours dit que tu es une mauvaise femme. Je comprends maintenant. Alors pourquoi tu n'es pas mariée? Eh, hey, pardon, hein. Je t'ai demandé un mari. Ça, c'est qui, non? Un jour, tu payeras pour avoir détourné, dévergondé une petite fille. Ok. Pardon, fiche-moi le camp. Si entretenir une femme t'a dépassé, ne viens pas accuser les gens. Et si tu ne me parles pas sur ce ton? Si je te parle sur ce ton, tu vas me faire quoi? Je ne suis pas ta femme, hein. N'importe quoi. Pardon? Pardon, va tu raconter... Tu ne me parles pas pardon, sur ce ton. Pardon, va raconter tes histoires. Tu ne me parles pas sur ce ton. Tu as compris? Je te trouve particulièrement belle ce soir. Merci, c'est gentil. Et permets-moi aussi d'être un peu maladroit. C'est comme si depuis que tu as des problèmes avec ton mari, tu deviens de plus en plus belle. Comment tu peux dire des choses comme ça? Bon, je sais que tu essaies de me flatter, mais moi je ne me trouve pas aussi belle comme tu le dis. Regarde, j'ai noirci, j'ai maigri. Et je me trouve affreuse. Écoute, Clarisse, c'est la vérité. Hein? En plus, voilà. Ça va marcher. Oui, elle sourit déjà. Prends-la dans tes bras, mon frère. C'est ça que j'attends depuis. J'ai promis de t'aider dans tes problèmes. Ça veut dire que nous allons tout faire. Hein? Nous allons tout faire pour monter à ce voyou de Bic qu'il s'amuse avec une perle rare. Donc, qu'est-ce que tu proposes alors? Pour qu'il revienne vite. Je connais mon ami. Hein? Il est de plus en plus jaloux quand il constate que quelqu'un s'intéresse à sa femme. Alors, tous ensemble, nous allons le rendre jaloux. Non, non, non. Non, pas ça, pas ça, pas. Hey, Meg. La machin s'y sort d'où? Sa fille s'y sort d'où? Elle vient me gâter un grand coup comme ça, dis donc. Compte que j'avais fait un très bon choix en t'épousant. C'est formidable. Moi aussi, j'avais fait un très bon choix. Tu es très mignon et très galant.
Je te jure, chaque jour qui passe, je me rends compte que je suis plus amoureux de toi. Et qu'est-ce que tu vas faire de Mado? La fille qui est venue habiter chez nous là. Il faut qu'elle parle parce que elle me gêne vraiment. Ouais, dis donc. Mais la villageoise là sort d'où ici maintenant? Que fais-tu là, mon gars? Attends, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu m'as dit que tu allais voir un ami. Tu m'as dit que tu allais chez un ami. Mais attends, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu vois là? Tu vas m'expliquer quoi? Je vais t'expliquer, non? Oui, Bibi. Ça ne vaut pas la peine avec toi. Attends. Si, attends, attends, je vais t'expliquer. Ouais, pardon. Le matin, tu m'as dit quoi? Je suis là, je me fais peur pour ça. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Ouais. Oh, merde, merde, Seigneur. C'est l'idiot de la santé même d'où là-bas, dis donc. C'est ce qu'elle malchance là. Alors que tout allait déjà bien. Mais c'est quel genre de femme qui accouche, même les idiotes, la malchance comme ça. Voilà qu'il faut recommencer tout à zéro. C'est ça que l'aime ballon, Léa. Oh merde. Elle va partir, Laura. Hein? Moi-même, je jeune. Je t'ai dit. Et mon père osait dire qu'elle est ma femme. Ah, elle est peut-être ta femme. Qui sait? Avec vous les hommes là, il faut s'attendre à tout. Non, 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 pardon. Elle n'est pas ma femme. Elle n'est d'ailleurs pas mon genre de femme. Mon unique épouse, c'est toi, Laura. Non, ça marche vraiment. Qu'est-ce qui marche? Ah non, je disais... Ton amour pour moi, je sais, il marche très bien, tu vois, c'est très fort. Non, c'est pour ça, ça va marcher. Hein? Ça va même courir, tu comprends, non? Personne ne peut détourner mon attention de toi. Tes paroles me rassurent. Entrez. Bonjour, boss. Ah, mon frère. Salut, bienvenue. Merci, vous. Comment tu vas? Je vais très bien, boss. Tu es un garçon très dynamique et très réussi. Merci. Vous savez, dans la vie, si vous n'êtes pas un homme astucieux, c'est que vous n'allez pas réussir. Hein? Ça, c'est déjà très bien de le comprendre. Ça signifie que tu vas réussir dans ta vie. Bon, boss, je suis là par rapport à notre affaire. Oui, c'est vrai, je t'attendais même déjà. Donne-moi une minute. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Tessia, tu n'es pas fière de me voir ici? Il y a quoi, non? C'est mon voisin qui m'a mise sur les nerfs. Ton voisin t'a fait quoi? Il m'a tapé. Mais... T'es tapé? Oui, il m'a même traité de dévergondé et de soulard. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas moi les fausses affaires. Tout ce que je fais est clair. En reconnaissance de ce que tu as fait pour moi, je te remets cette enveloppe. Tiens, prends-le. Il y a 500 000 là-dedans, tu peux te débrouiller avec. Mais boss, c'est pas seulement ce que je t'ai dit. Vous devriez me donner une raison, non? Mon cher ami, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Bats-toi avec. Non, boss, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, non. C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Mais écoute, mon cher ami, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein? Si tu as d'autres affaires comme ça, n'hésite pas à me contacter. Je serai tu pour Dieu. Hein? Ouais, mais boss, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Tu vois, je n'étais pas le seul à me plaindre de ton comportement. Ça veut dire quoi, Tandon? Donc tu le supportes? Je ne le supporte pas.
Pardon, rentre chez toi. Oh non, me tape au lieu de prendre ma défense sur le support. Ce n'est pas le fer qui l'a tapé sur toi. Je supporte. Mais... Mais quoi? Pardon, rentre chez toi, je ne veux même pas te voir. C'est même qui ça? Ouais, calme-toi donc ma chérie, c'est pas le... Faut te calmer. En tout cas, tu sais, si tu veux rester là, ce n'est même pas mon problème, je ne suis plus avec toi. Tu es allé boire les bières, on a tapé sur toi. Si que tu as bu les bières et de citer ton voisin, t'a tapé. Supporte là. Bonsoir, Mutumba. Bonsoir. C'est toi que j'attends depuis. Me voici. C'est toi. Tu me dis ce qui ne va pas avec ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me demandes de m'asseoir. C'est à toi de me dire ce qui ne va pas avec ma fille. Qui est ta fille? Seigneur Jésus. Mais tu as vraiment perdu la tête. Ma fille, Mado. Attends, ça là, c'est ta fille? Et tes petits plans que tu orchestres avec ta deuxième femme pour nuire à ma fille, que ça cesse! Que ça cesse! Dieu du ciel! Vous êtes comment? Ça vous prend même pas où? Hein? Vous venez trouver une intruse dans ma maison, une étrangère, et vous osez prendre sa défense? Je t'interdis d'appeler ma fille étrangère dans cette maison qu'elle a construite. C'est elle qui portait la terre sur sa tête pour remplir la fondation de cette maison. Aujourd'hui, tu oses l'appeler étrangère. Ça ne va pas dans ta tête. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Mais Dangala sortait même d'où là-bas, non, mon frère? Ouais. Je sais moi quel diable l'a mené par là-bas, Bip. Regardez-moi là. Dangala m'énerve. La fille m'énerve à mort, je te dis. Le plus grave, c'est qu'elle croit que je la trompe. Elle ne sait pas que Clarisse est ma femme. Non, l'autre, elle ne connaît pas. Tu sais que les deux ne se sont jamais rencontrés. Et ça fait quoi? Donc, comment Dieu me fait rater un grand coup comme ça, dis donc. Je ne comprends. Moi, je sais que je vais faire comment, Bic. J'ai peur de la fille, Bic. Toi, je te connais parce que habituellement tu viens ici. Mais elle, je la connais pas. Attends. Regarde-moi. Attends, toi, tu me connais? On s'est déjà vu quelque part? Miracle. C'est la sorcellerie. Vous voyez une étrangère, une intruse? Vous dites qu'elle est ma femme? La femme de qui? Oh, si tu cherches le mariage. Si tu cherches le mariage, prends une banderole, tu mets même sur ta poitrine, tu te promets à que je recherche un mari, ne reviens pas dans ma maison. Tu n'es pas mon genre de femme, tu comprends, non? Tu n'es pas mon genre de femme. Allez vous chercher ailleurs, ramassez-la, allez ailleurs avec elle. Ce ballon-là, tu es la femme de qui? Nous, comme on dit qu'on a ramblé ma fondation, la fondation de qui? C'est Laura qui a construit cette maison avec moi, pas elle. Voilà. Si ça ne va pas, hein, regarde, hein, ça ne va pas, tu la zappes. Tu la mets de côté, dis-le, elle te sait même à quoi. Une fille qui refuse de faire l'amour avec toi, tu es derrière, tu dis que tu l'aimes. Hein? Attends, elle ne refuse pas de faire l'amour, Bic. Elle dit qu'il faut faire l'amour dans le mariage et je la comprends un peu. Ça fait quoi? Ce n'est que dans le mariage qu'on fait l'amour. Hein? Quand je n'étais pas marié, elle ne faisait pas l'amour. Si ça ne va pas, tu la mets de côté. Tu la zappes, tu la détends, tu la bats même, non, dis donc. Je dis, elle te sait à quoi, mon là. J'ai dit, tu ne vois pas que je suis déjà dans les problèmes à cause de toi, Bic. Et apparemment, tu ne penses qu'à toi dans cette affaire, tu ne vois pas mon côté. Non, c'est que Tangala m'énerve, papa. Elle m'énerve. Donc, Tangala, vraiment, si c'était Manga, hein, tu devais voir. Bic, attends. C'est qu'elle doit être jalouse de me trouver avec une autre. C'est parce que moi, je trouve ça normal. Papa, va résoudre le problème là. Mais c'est avec le ballon qui va maintenant encore dormir avec la triste Ngala. Je sais qu'elle va même m'écouter. La façon que la fille m'a repoussé, zéro contact, je ne veux plus. Va résoudre le problème là. Va la voir.
passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tout bas, mi fort. Ton corps forme la troupe des malins. Anas, Caro. Tantôt forme la troupe des malins. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi tout bas, mi fort. Ton corps forme la toute des malheurs. Anas, pétrole. Tantôt forme la toute des malheurs. Ils sont là pour tout déballer. Débat tous passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tout bas, mi haut. Ton corps forme la toute des valeurs. Anas, Caro. Pétrole forme la toute des valeurs. Sans blesser votre sensibilité.